Good morning, Aleiden. Le tutoriel aujourd'hui, le Nishmat Amram Yona Ben Chana Ben Yibat Ezer Zabat Mazeldav Shishbortish Simon Batleoni Michel Novikov. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Kot, Perek Gimel, Mishnah Tetzain, la dernière Mishnah de la Masechet. Rabbi Hanania Ben Hakashia Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu Lezakot et Israël. Lefichach, Hirba Laem Torah Mitzvot Sheneemar. Adonai Chafetz Leman Tidko Yagdil Torah Veyadir. Ne sautez surtout pas dire Kaddish. Ouais, vous savez bien, c'est la Mishnah qu'on dit toujours quand on a fini une étude. On dit toujours Rabbi Hanania Ben Hakashia Omer et les gens ils se réveillent et commencent à dire le Kaddish. Là, aujourd'hui, on ne dira pas le Kaddish, on va plutôt expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mishnah. On va essayer de la comprendre au mieux. Il y a deux manières d'interpréter cette Mishnah. On lit, on traduit. Rabbi Hanania Ben Hakashia Omer. Rabbi Hanania Ben Hakashia enseigne. C'est son nom. Hanania Ben Hakashia. Ratsa Hakadosh Baruch Hu Lezakot et Israël. Hashem, Hakadosh Baruch Hu, Hashem, il a voulu donner du mérite au peuple d'Israël. Lefichach Hirba Laem Torah Mitzvot. Et pour ce faire, il leur a donné beaucoup de Torah et de Mitzvot. Une Torah large qui comprend plein de Mitzvot. 613 Mitzvot, 248 Mitzvot assez, 365 Mitzvot Lota assez. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, que Hashem chafetz leman tzidko, Hashem a voulu espérer l'achpotz, tachpotz banu, Hashem a voulu leman tzidko, faire en sorte que l'on ait du mérite, du tzedek. Et qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Yagdil Torah veyadir. C'est pour ça qu'il nous a grandi une Torah, il nous a donné une Torah vaste, veyadir, et... Et que j'ai compris, et par cela, il nous renforce, il nous rend fort, robuste. Soit, concrètement, deux manières d'expliquer. Première explication, selon le Barthénora d'abord, qui consiste à dire que, il y a, parmi les mitzvot de la Torah, il y a plusieurs mitzvot que, naturellement, on les aurait faites, de toute façon, on les aurait accomplies. Soit, par exemple, ne pas manger des insectes. Ne pas manger des vers. Naturellement, Nafsho Shaladam Katsabaen, l'homme n'a pas du tout envie de les manger. C'est des choses répugnantes. Et malgré tout, la Torah nous a dit, tu ne les mangeras pas. Et par cela, on va faire que lorsqu'un homme va être confronté à manger un fruit où il peut y avoir dedans un vers et qu'il va voir qu'il y a un vers, il va le rejeter. Et bien, en vérifiant s'il y a un vers, alors que de toute façon, il aurait de toute façon vérifié qu'il n'y a pas de vers et il ne l'aurait pas mangé. Mais ça aurait pu être une action banale. Et bien à présent, grâce à l'interdit de la Torah de ne pas manger des vers, qui va dire non, je vais vérifier parce que la Torah ne veut pas qu'on mange. Ouais, c'est le livre que j'ai dans ma bibliothèque qui a dit là-bas qu'il faut vérifier les figues, il faut vérifier les salades vertes et le chou. Et... Alors du coup, je me mets à le vérifier parce que c'est la Torah. Il va s'avérer qu'au moment où je vais accomplir, je vais me mettre à vérifier ce que je vais mettre dans ma bouche et que je vais m'assurer qu'il n'y a pas de vers dedans, mais je suis en train d'accomplir une mitzvah. C'est merveilleux. J'ai gagné un mérite immense pour le Olam Haba. Et alors c'est exactement ce que la Mishnah nous enseigne. Parce qu'Hachem, selon le Barthénora, parce qu'Hachem a voulu nous donner beaucoup de mérite, alors il nous a donné une Torah vaste en nous élargissant en élargissant toutes les mitzvot afin de nous donner davantage de mérite. Comme il y a une histoire qu'on racontait il y a quelques années dans le 5 minutes éternelles, Reb Shlomo Zalman qui avait répondu à cet enfant qui avait demandé quoi. Les mitzvot, ça nous contraint, ça nous astreint, c'est fatigant des fois. En quoi c'est un grand recette qu'Hachem nous a fait de nous donner plein de mitzvot. Et Rabbi Shmuel Zalman Yorbach, il avait répondu la super réponse en lui disant « T'es d'accord que quand tu vas mettre tes chaussures, tu vas forcément mettre une chaussure puis l'autre, tu vas pas mettre les deux en même temps, tu vas... » D'accord ? Eh ben, même sur ça, il y a une halakha qui va te dire « Tu mets la droite avant de mettre la gauche, puis après tu vas lasser la gauche avant la droite si tu es gaucher. » Si tu es droitier, que tu mets les tefillines sur la main gauche, comme ça on va donner de l'honneur. Ouais, il y a des halakhot. Tu veux mettre un manteau, tu mets la manche droite avant la manche gauche. Au moment où tu vas mettre ton manteau, et tu vas te mettre à penser à ça et tu vas le faire. Regarde, parce que la Torah elle est tellement vaste, alors tu vis en connexion constante avec Hachem dans n'importe quelle petite action, de quelle manière je vais faire. Tu vas manger quelque chose, tu vas faire une bracha. Ça, c'est des choses qui coûtent pas tellement cher, mais ça fait que grâce à elles, tu es en connexion directe avec Hachem et tu gagnes un mérite gigantesque. C'est ce que la Mishnah nous enseigne selon le Barthénora. On va tout de suite faire le Barthénora aussi. Après, je dirai la belle explication du Rambam. Les Fikach Hirbalem Torah Mitzvot. C'est pour cela qu'Hachem leur a donné
leur a augmenté la Torah et la mitzvot. Il leur a donné plein de mitzvot. Kegon parashat shkat simur masim, comme la parasha dans laquelle on traite de ne pas manger les vers, les vermines, les crustacés. Et toutes ces mitzvot-là, à quoi elles servent? Kedela obot schar, pour nous donner plus davantage de mérite. Kshehen bedelin mehen, lorsqu'on s'écarte d'elles. Aval pishebel avachilo ayo chlinotan. Ouais, il connaissait pas les Français qui mangeaient les crustacés à l'époque, le Barthénois apparemment. Il dit, même si naturellement un homme il avait aucune envie de manger ces choses répugnantes, chez Nafsho shel adam katsa bahem, que le cœur, le nefesh, l'âme de l'homme, elle est naturellement écœurée par eux. Et malgré tout, la Torah nous l'a interdit, comme ça, ça nous donne plus de mérite, comme ce qu'on expliquait. Et c'est pour ça, et c'est ce que la Pasuk nous dit, Hachem chafes leman tzidko, Hachem aspire, qui viachol. Les man tzidko, pour nous donner plus de mérite, le patron d'Anzi, ça veut dire quoi? Les man tzidko, les atzdik et Israël. Donner du mérite aux Israël, les akot otan, pour leur donner davantage de salaire. Il y a l'explication du Rambam qui est aussi très intéressante, on ne va pas la faire dans les mots, on va juste expliquer le principe, il est très simple. Le Rambam, il nous dit, accomplir une mitzvah pleinement, sereinement, avec toute la bonne intention, c'est compliqué, c'est un travail de longue haleine. C'est pas parce qu'on a mis des tefillines, on peut être motivé par plein de raisons pourquoi on a voulu ce matin se lever du lit pour arriver à la synagogue tôt et faire la tefillah bien. Peut-être parce qu'on a envie d'abord, on espère que par cela Hachem il va nous donner telle et telle bonté. Et on espère par cela que le voisin il va voir que je suis devenu un grand sadique. Zarma, j'ai une grande barbe qui me pousse. Il peut y avoir mille raisons. J'ai envie de structurer ma vie, d'avoir un idéal. Dans toutes ces mitzvot, on n'a jamais une intention pure, l'ichvod Hachem. On a, depuis la faute, c'est connu, depuis la faute d'Adam Rishon, le mal et le bien se sont mélangés. Il n'y a jamais une action qui est 100% bonne et une action qui est 100% mal. Il y a un certain pourcentage, des fois on fait une action avec un certain pourcentage, plus ou moins. Même quelqu'un qui fait du mal, il ne fait jamais du 100% mal. Il a quand même un petit peu de bien à l'intérieur de ce qu'il fait. Il espère quand même que finalement ce sera avec un bon intérêt positif au final. D'accord? Selon ce principe, le Rambam, il explique de ce fait. Pour avoir droit au Olam Haba, il faut avoir réussi dans sa vie, avoir fait au moins une fois une mitzvah que en l'honneur d'Hachem, parfaitement, avec tout l'entrain qu'il fallait. Et c'est un dur boulot, c'est un dur, un dur challenge. Pour ça, Hachem, il nous a donné plein de mitzvot, plein de sortes, à toutes sortes d'occasions, de manière à ce que c'est sûr qu'à force d'accomplir toutes ces mitzvot dans toutes ces circonstances, il va y avoir un moment où, ça y est, là, aujourd'hui, tu as réussi à le faire avec plein d'entrain. C'est vrai, quand tu t'es levé, tu étais un petit peu, tu avais des raisons. Finalement, tu arrives au Kriyat Shema, et puis, naturellement, tu as eu un élan d'entrain pour dire, Hachem, je vais unifier ton nom sur terre. Et tu as lu Shema Israël, Bekavana, Tsuma, uniquement l'Irvod Hachem qui soit fier qu'il ait un enfant sur terre. Qui veut absolument voir qu'Hachem il est présent constamment. C'est super, t'as réussi à faire Shema Bekavana. T'as raté ici, c'est pas grave, tu vas ensuite, tu dis, il va y avoir un pauvre. T'auras fait ta tefila quand même, qui aura été à 80% l'Hachem Shamaim, 20% avec d'autres intérêts pour faire un peu épater la galerie. Et malgré tout, tu vas avoir un pauvre qui va passer alors que tout le monde sera parti. Et toi, tu vas éveiller ta pitié pour lui, tu vas lui donner une pièce, tu vas le dire à mon chaleureux, là tu auras fait une mitzvah de tzedaka, l'Hachem Shamaim. Au pire, tu auras raté ici. C'est sûr qu'à la longue, à force d'avoir plein de mitzvot, tu vas finir par en faire une, où tu vas par là réussir à trouver l'échelle qui va te fermer au Olam Haba. Et c'est sur ces moments qu'on annonce qu'on a fini Baruch Hashem, la Masechet Makot, Salik Masechet Makot. On a bien sûr, comme d'accoutumé, le petit vin. Et en l'honneur du Sioum, l'Echaim, qu'Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à avancer dans tous ces derniers zikins. Franchement, là, c'est super, on a Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, Sanhedrin, Makot. Regardez, il nous reste maintenant Shvuot, qu'on va commencer d'ailleurs tout de suite parce qu'il ne faut jamais rester sur une fin. Et voilà, on avance doucement, Bezrat Hachem, l'Echaim, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Baruch Pri Hagefen. On commence tout de suite ma sechet Shvuot. Shvuot, Shtaim, Shehen, Arba. Il y a deux sortes de serments qui forment quatre. Yediot, Atuma, Shtaim, Shehen, Arba. Deux sortes de connaissances de l'impureté, deux qui font quatre. Yediot, Hashabbat, Shtaim, Shehen, Arba. Deux manières d'être chayav lorsque l'on sort, on fait sortir un objet d'un domaine à l'autre à Shabbat, deux qui font quatre.
Marot Negaim, Shnaim Shen Arba, les taches de lèpre sont aussi deux qui font quatre. On expliquera tout ça à Bezrat Hashem demain. Kol Tov Selah.